of $12,500. She take $11,000. She can't leave one five for me. From my own room. On va tout voir sur les réseaux sociaux. Hey! La famille, je m'excuse déjà parce que je sais, il s'est fait un peu tard, mais j'ai dit, ah, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit non, je vais vous faire part de cette vidéo. Hein? Voyez, là, c'est une bonne, oui, elle était embauchée, bon, une ménagère, comme je peux dire. Elle était embauchée, donc, il y a de cela un mois, presque deux mois, quoi. Et de là où on l'a embauchée, alors, elle arrive, premier mois de travail, voilà, elle connaît déjà que voilà, sa matronne ou bien son patron garde l'argent sur telle place qui est une femme, oui, une grande femme nigériane, oui. Là, voilà, alors, elle va dans la caisse et elle a ceux avec qui elle cause au téléphone à tout temps, bon, ceux qui changent le dollar en naira et tout et qu'on sort. Voilà, alors, elle avait eu à causer avec les ma'lam-là. Donc, il paraît que c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, du genre, elle vient chez toi, fait comme si elle vient travailler. Du genre, elle regarde à gauche et à droite, elle voit l'argent, elle prend, pam, elle part. OK? Donc, voilà, alors, elle est arrivée sur cette maison et cette dame, alors, elle avait l'habitude de garder l'argent à la maison. Bon, cette dame explique que, voilà, elle garde l'argent justement pour les collages de ses enfants à la maison parce que le Nigeria, bon, elle essayait d'expliquer. Je vais laisser certaines vidéos jouer à la fin pour vous quand même. Donc, c'est pour cela qu'elle a gardé autant de dollars comme cela à la maison où c'est 11 000 dollars qu'elle disait. Et c'est comme ceci, cette femme, que la dame même en question qui est ménagée, c'est pas une petite fille. Et vous constatez même dans la vidéo, c'est quelqu'un qui est déjà un peu avancé. Selon cette dame aussi, elle nous dit que la ménagère est aussi déjà avancée. Et que même dans son téléphone, pour que tu voyes même la photo, il y a le... Il y a le mot de passe. Pour que tu entres sur WhatsApp, il y a le mot de passe. Pour que tu entres sur Facebook, il y a le mot de passe. Pour que tu vois les appels qu'elle a eus, il y a le mot de passe. Que Langa a fait du genre que non, tu ne peux pas prendre son téléphone comme cela. Tu ouvres du genre, tu commences à dire que non. Et elle a mis ce message sur WhatsApp le jour que quand elle cause là un peu, ou c'est 24 là, ça disparaît. Que le genre ou non. Hey! La famille, les choses se passent. Donc, c'est la dame en question, elle nous montre le téléphone de cette ménagère que vous voyez, que pour même entrer dans WhatsApp, il faut le mot de passe. Pour faire n'importe quoi, le téléphone de la ménagère, il faut que quelqu'un qui est vraiment simple, quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée, quelqu'un qui est venu pour travailler, est-ce que cette personne doit faire les choses comme ceci? Que c'est pour dire que voilà, c'est la vie qu'elle mène. Hein? Voilà, la femme en question demande que même. Mon agent que j'avais, que en soirée, là, d'abord, elle voulait faire son make-up pour sortir. C'est de là, elle appelle son fils que, ouais, comme je te donne souvent mes dollars d'aller mettre dans la caisse, là, va amener la caisse un peu, hein. Vous connaissez que vous allez commencer l'école bientôt. C'est comme cela, l'enfant va, alors, il voit l'argent, il dit que, il y a que $1,500 dans la caisse, hein. C'est là, la femme dit que non, comment? Hein? Ce qu'on a déjà mis, ça, c'est un peu plus que ça. Que non. Moi, je me rappelle de ce qu'on a mis dans la caisse. C'est comme cela, la dame se lève, elle a dit quoi? Hey, qu'on a utilisé les gants pour ouvrir sa caisse et tout. Sauf que, apparemment, les gens avec qui elle travaille, l'ont dit comment pour ouvrir la caisse de cette dame. Donc, l'ont indiqué comment elle doit faire jusqu'à ce qu'ils sont allés acheter les gants et tout. Et comme ça, elle a porté que dans ses affaires qu'ils ont fouillé et tout, ils ont vu les gants à main, le jacques avec les certaines clés et tout. Et comme ça, elle dit, maman, que quelqu'un qu'elle a embauché, cette dame, ça fait seulement un mois. Donc, elle a payé le salaire de un mois. Donc, c'est le deuxième mois qu'elle est entrée ici. Donc, déjà, elle devait encore payer le deuxième mois. Mais que cela n'a même pas encore fait deux mois qu'elle a embauché cette fille. La fille a déjà 12 000 dollars qui est équivalent à 8 millions de naira. Que donc, ça veut dire que si elle restait chez elle un an, ça devait être quoi, la famille? Le genre de ménager, cela, elle peut même t'envoyer rejoindre tes ancêtres. C'est là le cœur de prendre tout l'argent. Hey! C'est qu'elle n'est pas venue pour rire là-bas à la maison, hein? C'est qu'elle est seulement venue justement pour cela. Hein? S'il vous plaît, la famille, surtout pour les grandes dames là, hein? Avant d'embaucher quelqu'un chez vous là, soyez toujours prudent, oh!
Parce que le DO, c'est maintenant, hein, tu embauches quelqu'un qui, la personne va venir travailler pour que tu payes, hein, la personne vient avec les autres arrière-pensées, tout et tout. Et c'est aussi bien d'avoir la caméra 24 sur 24 chez toi. Le genre que toi-même, dans ton téléphone, en marchant, tu regardes, hein, tu regardes partout, tu regardes ce qui se passe à la maison. De là, alors, elle dit, elle commence à demander la fille la regarde dans les yeux, la fille ne parle pas. Après un bon bout de temps, la fille dit comment, en tout cas, ça c'est l'argent que j'ai d'abord ching. J'ai d'abord ching cet argent, à ma matronne, ma première madame, dans là où elle travaillait d'abord. La fille dit que c'est là-bas qu'elle avait ching l'argent. La femme se dit que, yi, donc tu es d'abord une chingueuse d'argent, que donc, si tu peux tuer le genre d'argent, c'est là, ça veut dire que, c'est là, cette dame dit que, mon argent, tu dirais que c'est ce que tu as tuer là-bas. Que même avant de dire que, oh, tous les ménagers, la montée ici, là. Qu'avant d'appeler tout le monde, cette femme, elle, quoi, va sur les escaliers, dit, elle allait aux toilettes uriner. C'est de là que le jardinier dit que non, elle n'allait pas uriner, oh, qu'il a vu un sac qu'elle jetait dans, la cuisine en haut, là. Là, ils sont allés regarder, ils ont vu que, oh, c'est l'argent là et maman. Yeah, les choses se passent. Là, voilà, alors qu'il amène l'anga à la police, et là-bas que l'anga commence aussi à parler que, oh, c'est là. De là, on voit son téléphone partout, il y a que les mots de passe. Elle va lire les messages entre la fille et celle, et celui qui change l'argent en naira, le malam, que donc, ils avaient déjà fixé rendez-vous. Et la femme en question même dit d'abord que, oh, heureusement que la fille n'est pas allée, que les samedis comme cela, les week-ends, la fille sort pour rentrer le lundi. Que heureusement que c'était pas encore un samedi, c'est que ça s'est passé hier. Hey! La famille, s'il vous plaît, soyez vraiment prudents là-bas dehors, je vous assure. Ah, le dehors est risqué. First of all, this girl is not a maid. At all, she's not a maid. This girl has a lock code, more than 6 lock codes on her phone. She has a lock code to WhatsApp. She has lock code to pictures. She has lock codes to text messaging. This girl has everybody on her phone. She prices late 70K. She's a big woman. And guess what? She's been sleeping with my chef, apparently. Immediately she came into the house, she had to look for someone to hold on to and started sleeping with the chef. The chef now is here with us in the station. Then, honestly, she's like a hardened criminal. And trust me, forget safe, all these safes. This girl has pictures of my safe on her phone. They hacked my safe. She sent it to, it's a syndicate. They work together. They hacked the safe. She sent them picture. They told her what to do. This girl had hand, she had gloves. She had gloves inside a paper bag where she kept the money. So they told her what to do and how to do it. Right? You know, when I called them, I found out, I didn't even have to check. I was going out, I was doing my makeup to go out. And something in me, I just told my son, Boogie, come. I called him with the phone to come upstairs. So like at 10 o'clock last night. I said, Boogie, come. Come and give me the money that's inside the safe. The 12.5. And I said, he went to the safe, he brought 1.5. He said, I said, no, it's 12.5. He said, no, that's the only money there. I'm like, no, what are you talking about? You know? Immediately I said, call my girls. Immediately I told them to call the girls, call the mobile men in the house. They came upstairs. This girl disappeared in 3 minutes. She said, they ran downstairs to look for her. She was like, hey, I got peace. I went to peace. I was pressed, though. Fear. You need to see how hardened this girl's face. We went to her room, scattered everywhere. Under the rug, we're seeing money everywhere in her room. Everywhere. We dragged this girl left, right, center. She was looking at us. She sat and crossed her leg like to her. She knew we're not going to see the money. But luckily, at that time, she went to say she went to go and pee. She went to change where she kept the money. So the same chef she's sleeping with now signaled my friend and said, Oga, come, she threw away something here. We started checking around where they said she threw away something that's in the kitchen cabinet somewhere, under. We now saw the money. This girl was still looking, saying that, no, this money is from where she worked before. That she stole this money from her former madam, that it's not my money. I'm like, she's a hardened criminal. So we got to the station, this girl was still looking at us, telling us, that be our money. Now from my former place of work. Like these people coming to your homes, it's a synergy. They send the one that comes into, this woman is a bitch, she's a big woman. You need to see how they address her on her phone. Everybody's calling her madam, mama. She has more than 3 malams. They'll say, oh, customer. She has people she's buying lace from. She's already pricing things. Like, the before you open her photo, you have to enter code. Before you open her, and she's on disappearing mode. Before you open her media, code. Recent calls, code. She has code to everything.
This girl has not even worked for me for 2 months. I've not even paid her second month salary. I've only paid her 1 month. This is her second month that we're just going to, that we're just entering now. 2 months, and she's stealing 8 million. And guess what? After stealing this money, God confused this girl and kept her in my house. As that on the 7th, when she was asking the malams, there's another one she asked on the 6th. So she probably had this money we have for 5 days. So you have 8 million, you go back downstairs to wash plates. God confused her. God kept her there. God made me ask for that money last night because I had no need for it. And she was supposed to be on leave today. She was supposed to go for her off today, Saturday. Because I don't allow the security, allow them leave the estate without searching them. So she knew she was stuck in the house until her off day. So honestly, I see a lot of people saying nonsense comments. Of course, I can keep money in the house. I've been keeping that money because my kids are going to school with all the whole stringent rules with the dollar. You have to keep some for your BTA. So I don't know. Obviously, some people are stupid, very stupid. So they would say whatever they want to say. Anyway, I just thought I should do this video for clarity to explain what actually happened. You know, this girl didn't come to my house to be a maid. She came to my house to rob me. I mean, who steals 8 million and goes back downstairs to wash plates? Who? So, that's it.